Dimanche 28 février 2021, la princesse Lala Khadija, fille du roi Mohamed VI et de la princesse Lala Salma, célébrait ses 14 ans. Un événement, autant pour la royauté que pour le peuple marocain. Depuis plusieurs années, la jeune fille assure plusieurs engagements officiels. C'est dire la place prépondérante qu'elle occupe au sein du royaume. La princesse moderne fait d'ailleurs toujours preuve d'une certaine élégance, toujours irréprochable dans ses tenues à l'instar de sa mère Lala Salma. Mais voilà, cette dernière serait portée disparue depuis maintenant 3 longues années. Discrète depuis sa séparation, elle n'en resterait pas moins très impliquée pour le peuple marocain. C'est ce qu'elle prouve à nouveau à travers le sujet de la lutte contre le cancer. Les dernières nouvelles concrètes la concernant remontent à 2018. Année durant laquelle sa séparation avec le roi Mohamed VI a été évoquée. La vie au sein du royaume marocain reste assez opaque pour se faire une idée claire de la situation, mais l'inquiétude reste palpable. Le site afrique.com affirme que la princesse Lala Khadija aurait elle aussi disparu. Et l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que si Lala Salma est bien au royaume chérifien. Comme l'indiquent certaines sources, elle vit donc dans un palais autre que celui dans lequel le roi Mohamed VI a établi ses quartiers. Rapporte le média. L'on sait toutefois que la princesse Lala Khadija a disparu de tous les radars. Plus d'apparitions publiques pour celle qui a pourtant fait la une de grands magazines à l'image de femmes du Maroc. Cette Lala Khadija que le public a vue avec une guitare entre les mains n'apparaît plus. Ajoute le site. Même lors de son anniversaire, célébré le 28 février dernier, le public marocain n'a pas eu droit à des nouvelles de sa princesse. Pas même une photo publiée.